nous allons réaliser la chromatographie des encres de 3 fluos. Il nous faut 3 fluos, jaune, bleu et vert, 2 pastes à linge, un bécher, de l'eau salée et du papier filtre. On trace une ligne à 2 cm du bas. C'est la ligne de dépôt. On met 3 points de chaque fluo sur la ligne. J pour jaune, B pour bleu et V pour vert. On verse un fond d'ensalé dans le bécher. On trempe le papier filtre sans mouiller les taches de fluo. On maintient le papier à la verticale avec les pinces. On remarque que les taches de fluo montent. La tache jaune est restée jaune, donc l'encre jaune est pure. La tache bleue est restée bleue, donc l'encre bleue est pure. Mais la tache verte s'est décomposée en jaune et en bleu, donc l'encre verte est un mélange homogène de bleu et de jaune.